Salut à tous, bonsoir et bienvenue dans le JT Soir sur la 3. C'est le 19h30, la grande édition de l'information sur votre préféré avec au sommaire les jalons du FAC, le Front d'Action pour la Continuité. Partout et à présent dans la Takora et la Donga où il a été procédé à l'installation des coordinations de ces deux départements. Et puis, le bon et le moins bon de la coopération entre la Chine et le Bénin. Les deux parties revisitent leurs liens, c'est à travers la traditionnelle revue diplomatique, la dernière pour le compte de cette année. Cette ouverte ce matin, c'était dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Et en fin d'édition, la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance, une sorte de croisade contre la prolifération des structures illégales de microfinance menées par différentes structures de contrôle et de surveillance des systèmes financiers décentralisés. À nouveau, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre dans le 19h30. Après les départements de la partie méridionale du pays, le Front d'Action pour la Continuité FAC s'est rendu dans les départements de l'Atakora et de la Donga, l'objectif étant de procéder à l'installation des coordinations départementales de ce creuset. Salimane Karimou, coordonnateur national du mouvement, a effectué le déplacement de ces deux départements. Abdou Sabi Idrissou et Alassane. Voici les hommes qui devront siéger au sein de la coordination départementale du Front d'Action pour la Continuité FAC dans le département de la Donga. Au nombre de 13 et en provenance des 4 communes de ce département, ils se sont officiellement engagés devant le coordonnateur national du FAC Salimane Karimou à œuvrer pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Les membres du FAC ici présents, épatés par les réalisations inédites depuis l'indépendance de notre pays et convaincu que tout autre choix ne serait qu'une erreur, s'engage à œuvrer pour la continuité. Chacun d'eux, tel la reine d'une termitière, sécrétera les phéromones nécessaires à la cohésion du groupe et travaillera à l'atteinte des objectifs du FAC. Assurer une victoire légitime au président Talon en 2021 avec un taux de participation d'au moins 70%, tel est l'objectif de ce creuset politique. Et pour atteindre ce but, le coordonnateur national du FAC procédant à la remise de la lettre de mission aux membres de la coordination départementale du FAC Donga va les exhorter à mouiller le maillot pour relever ce défi. Pour nous, c'est une mission qui nous demande beaucoup d'efforts, qui va nous solliciter beaucoup plus. Parce que là où nous avons mis la barre, elle est à un niveau élevé. Nous voulons que le taux de participation en 2021 soit au moins de 70%, avec l'assurance que c'est notre candidat qui va gagner et qui a déjà gagné. Avant l'étape de la Donga, le coordonnateur national du FAC était dans la matinée à Natitengou pour le même exercice. Nous voulons faire de l'élection présidentielle de 2021 une fête, faire sortir les populations pour qu'elles aillent voter réellement. Personne ne date de trop. Depuis l'avènement de la rupture en 2016, le département de l'Atakora a aussi bénéficié de plusieurs projets non moins négligeables. C'est à juste titre que les autorités à divers niveaux présentes à cette cérémonie s'engagent aussi pour la continuité. Déjà, avec ce que nous avons gagné, à savoir la première phase de l'asphaltage, la condition du marché, la route de Boukoumé, il n'y a pas de raison que nous n'accompagnions pas le retour de la tête chef de l'État. Nous sommes convaincus que nous devons aller dans le sens de la continuité au regard de toutes les réalisations dans notre département et ce, dans tous les secteurs. À l'étape de la Donga, tout comme celle de la Takora, parole a été donnée aux participants qui, pour saluer l'initiative, qui, pour poser des questions d'éclaircissement, tout ceci dans la dynamique d'atteindre les résultats escomptés. Loin d'être un parti politique, le Front d'Action pour la Continuité est un mouvement politique ouvert à tous citoyens béninois qui partagent les mêmes idéaux qu'il incarne. Voilà, on reste en politique et puis présidentielle 2021, le Moël Bénin. Déjà le pied à l'étrier, le président du parti était ce dimanche face aux têtes couronnées. Sage et notable de la commune de Dassa Zoumé, Jacques Kayadi a tenu ses hôtes informés
de la décision de Moël Bénin de porter la candidature de Patrice Talon pour la prochaine présidentielle et aussi les appeler à mobiliser la troupe et à se tenir prêts. Bien d'autres sujets ont meublé les discussions. Imet Hélène Amoussou. Chaque Ayadji en conclave avec les sages notables et têtes couronnées de la commune de Dassa. Le président du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, est allé dire à ces derniers la reconnaissance et les remerciements des responsables de leur regroupement politique. Parti d'obédience social-démocrate, Moël Bénin, tel que l'a souligné Jacques Ayadji, s'est rallié sur décision du Bureau politique national à un parti de ligne directrice semblable pour participer aux précédentes élections. Je dois le rencontrer depuis un moment pour, à travers ces notables, ces dignitaires, remercier la population d'avoir suivi le mot d'ordre lancé par Moël Bénin à l'occasion des élections communales dernières. Un autre sujet était inscrit au menu des échanges. Moël Bénin portera pour la présidentielle de 2021 la candidature de Patrice Talon. Cette décision du bureau politique ainsi que les raisons de ce choix ont été aussi évoquées à cette rencontre. Les réformes et nombreuses réalisations en cours dans la région confortent également selon les participants ce choix. Outre ces sujets, plusieurs autres questions ont été soulevées. Elles ont trait à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Nous avons décidé au niveau du parti, Moël Bénin, d'accompagner, de soutenir la candidature du président Talon lors des élections présidentielles prochaines. Nous avons pris cette décision pour l'avoir désigné comme notre candidat et j'ai partagé l'information avec elle, avec cette personnalité-là, pour que dans la commune de Dassa ici, qui est le rat de marée du candidat Talon lors des présidentielles prochaines. Chaque intervenant l'a apprécié à sa manière, mais il n'y a pas eu de contestation. Pour le prochain quinquennat, qu'ils tiennent surtout à la promotion des jeunes, aux diplômés sans emploi. La consolidation de la cohésion sociale, l'entente harmonieuse entre toutes les filles et tous les fils de la commune, surtout la sensibilisation vis-à-vis des jeunes. Et davantage, comment nous allons faire pour que la plupart de nos jeunes qui sont formés, mais dont leur formation n'est pas en adéquation avec les populations, avec les besoins, puissent bénéficier de formations complémentaires pour qu'ils soient employables. L'idée de cette rencontre a été appréciée par les invités. La démarche plus les questions abordées ont permis de parler développement. Cette rencontre vise également à resserrer les liens entre frères et membres du parti Moël Bénin. Tout autre chose à présent, échange entre le directeur général du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et les apprenants du lycée technique et professionnel de Tiaourou. Les pensionnaires de ce lycée ont été entretenus sur les actions et les différentes missions du Fonds pour le développement de notre pays à travers la recherche. Cette rencontre a été également l'occasion d'intéressantes annonces pour ces apprenants. Tournée d'échange, de prospection et de partenariat avec les parties prenantes à la recherche scientifique et de l'innovation technologique. L'étape du Septentrion s'est déroulée ici au lycée technique et professionnel de Tiaourou. Devant les enseignants et les pensionnaires de ce lycée, le directeur du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a expliqué le but de cette tournée. Il s'agit entre autres, selon le directeur, de donner le goût pour la recherche et l'innovation aux apprenants dès le bas âge. Ce que nous visons en venant ici au lycée technique, c'est de pouvoir, avec le corps enseignant et les élèves, identifier une préoccupation majeure autour de laquelle nous allons mobiliser les chercheurs et ensemble, des solutions doivent être trouvées. L'une des missions du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique est de faire de la recherche un véritable levier de développement du Bénin et un outil de développement socio-économique. C'est pourquoi le proviseur du lycée technique et professionnel de Tiaourou invite ses apprenants à prêter une oreille attentive aux différentes communications. Je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention la communication
FNR, SID et de beaucoup de questions, des questions et des précisions, afin que cette séance d'aujourd'hui soit une séance qui vous apportera. Les apprenants ont justement eu droit à une communication sur les différents contours du fonds et les possibilités de financement pour la recherche scientifique et technologique. Par rapport aux conditions, nous avons d'abord qu'il faut participer à l'appel à projets que nous lançons dans les domaines qui sont définis. Il faut soumissionner par la rédaction d'un projet, un projet innovant, pertinent, et qui tiennent compte des impacts sociaux, environnementaux et autres. Une fois que ces conditions-là sont remplies, il faut que le projet soit évalué par la commission des experts. Et c'est à l'issue de cette évaluation que, si c'est pertinent, si c'est bon, si ça rencontre les conditions internes que nous avons au fond, vous passez aux étapes suivantes de signature des accords. Les apprenants du lycée technique et professionnel du Tchaourou sont désormais mieux aguerris sur la mission du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Dans le même registre, à Abomey-Calavi, cette fois-ci, la faculté des sciences économiques et de gestion compte de nouveaux enseignants promus au grade de maître, assistant maître, de conférence agrégée et de professeur titulaire. Ces derniers ont reçu leur tour dans la matinée de ce lundi à l'issue d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, une cérémonie de reconnaissance de mérite que nous relate ici Narcisse Alossé et Henri Ganti. Ils abordent ici leurs nouveaux attributs des années après leur promotion. Ces récipiendaires sont des enseignants officiels à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. La communauté facultaire et universitaire se doit de leur reconnaître ce mérite et encourager par la même occasion ceux-là qui viennent d'arriver de fournir des efforts conséquents pour y parvenir. Ils sont au total 38 enseignants à être promus dans divers grades. 26 maîtres assistants, 1 maître de conférence, 8 maîtres de conférence agrégés, 3 professeurs titulaires. Des promotions obtenues après des années de recherche. Un chemin parsemé d'embûches, mais couronné aujourd'hui d'un succès, symbolisé par cette reconnaissance de mérite. C'est avec beaucoup d'émotion, doublée d'une grande humilité, que nous portons cette auge ce matin. Et nous voudrions, au nom de tous les collègues, dire toute notre gratitude au rectorat, au décanat de la faculté des sciences économiques de gestion pour cette cérémonie qui est organisée. Je voudrais enfin remercier tous nos aînés ici présents, ceux qui nous ont formés, et qui nous ont vu naître, qui nous ont vu grandir devant eux. Certains sont allés à la retraite, d'autres ne sont plus parmi nous, certains sont encore présents. C'est la troisième fois dans l'histoire que la FASEG voit ses enseignants franchir des échelons. Seulement que cette fois-ci, l'attente a été longue, 13 ans pour certains, un peu moins pour les autres, pour cause d'impondérable. Du coup, le président du conseil scientifique de l'UAC a tenu à féliciter les récipiendaires pour leur perspicacité. Cependant, ces grades obtenus ne doivent pas être une fin en soi. La célébration, c'est aussi une part de responsabilité. Ces promotions doivent impacter durablement la qualité de nos enseignements, la qualité des résultats de nos recherches, la qualité de l'encadrement de nos étudiants. Un service à la communauté plus visible pour que les générations qui passent par notre entité soient davantage rassurées. En marge de la cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire de ces récipiendaires qui ont quitté ce monde un peu plus tôt. D'ailleurs, l'un d'entre eux est représenté ici par son épouse, qui a reçu à titre posthume les attributs dus au rang de son défunt conjoint.
Voilà, diplomatie. Le Bénin et la Chine revisitent les grandes lignes de leur coopération et c'est à la faveur de la traditionnelle revue des liens diplomatiques qui lie les deux pays. La dernière revue de cette année 2020 s'est déroulée ce mardi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Face à la mission diplomatique chinoise au Bénin, trois membres du gouvernement et des représentants des deux autres ministères. Un panel monté pour revisiter les grandes lignes de la coopération entre le Bénin et la Chine. L'action de coopération entre notre pays et les pays amis obéit à un certain nombre de rites. Et au nombre de ces rites-là, il y a ces haltes que nous appelons les revues qui nous permettent de nous interroger sur le chemin qui est parcouru. Cette revue s'inscrit donc dans le cadre de consultations périodiques des relations qu'entretiennent nos deux pays et elle permet d'évaluer l'état d'avancement de certains projets de coopération afin d'harmoniser nos points de vue sur ceux qui sont en cours et les autres projets dont le démarrage sont imminents. Les deux parties sont donc appelées à faire une auto-évaluation des actes posés dans cette relation de coopération que le surnommé Dragon de l'Asie prend avec plaisir et engagement. La Chine, comme un partenaire de longue date du pays, du Bénin, un ami, un frère, quand on parle d'accompagner le Bénin dans son développement, ce n'est pas seulement une parole. C'est une parole, une promesse prise, mais accompagnée par des actions. Des actions visibles à travers de nombreux projets dont les plus grands sont dévoilés ici par le patron de la diplomatie béninoise. Il y a l'envoi de la mission médicale chinoise au Bénin, le jumelage des hôpitaux chinois et béninois dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la construction du pipeline Niger-Bénin, la réhabilitation du palais des congrès, la réhabilitation du stade de l'amitié, celle du palais des sports, la construction du bâtiment de l'Institut Confucius et celui de l'Institut d'anthropologie et sociologie de l'Université d'Abomey-Calavi, ainsi que des cités universitaires de Parakou et de Kétou. Tous les résultats obtenus pendant ces dernières quatre années ont gagné de respect aussi d'admiration de beaucoup de pays. Et à travers ces réformes, on peut voir aussi le changement de visage, d'image du pays, aussi de visage des Béninois. Les ministères qui abritent ces projets feront au cours de cette revue l'état des lieux avant de proposer des perspectives pour l'avenir de cette coopération. En somme, répondre aux exigences de l'amitié qui lie les deux pays. Voilà, et puis convention de subsides entre l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin et le programme de développement de la filière ananas avec pour objectif le renforcement de l'image de marque de l'ananas du Bénin, la défense des intérêts des professionnels de la filière et le renforcement de l'AIAB en tant qu'association interprofessionnelle. Le point de la cérémonie avec Idrissou Boukari et Moufid Sabourin. C'est l'acte qui formalise le partenariat entre l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin et le programme de développement de la filière ananas dans une convention qui prend son envol dès ce lundi 16 novembre 2020. Avec cette convention signée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les acteurs de la filière, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les exportateurs. Plusieurs activités sont inscrites sur la feuille de route de cette convention. Renforcer l'image de l'ananas du Bénin. Nous savons que nous avons un ananas au Bénin qui ne se retrouve nulle part du point de vue de la qualité organoleptique, nulle part au monde. Il faut être fier. Mais on doit faire de manière à ce que cette image-là soit renforcée. Nous devons faire de manière à ce que l'interprofession puisse être une interprofession forte, bien gouverner, une interprofession qui rend des services effectifs aux membres, une interprofession dynamique. Troisièmement, la défense des intérêts des membres. Si je suis membre d'une interprofession, c'est parce que j'ai des besoins, j'ai des intérêts à défendre. La IAB doit pouvoir défendre ses intérêts.
Pour le président de l'AIAB, cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus participatif d'identification des besoins en renforcement des capacités et de planification opérationnelle et financière. Sa mise en œuvre est financièrement soutenue par l'Agence belge de développement avec un montant de près de 187 millions de francs CFA. L'Agence belge de développement, en accord avec le gouvernement, met en œuvre à travers le pilier 1, le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, DEFIA, qui vise à appuyer le développement des chaînes de valeur ajoutées, porteuses, ainsi que l'entrepreneuriat dans cette filière. À travers ces deux interventions, le projet DEFIA accompagnera le renforcement des capacités des élus, des agents de l'AIAB et des familles d'acteurs dans leur rôle de plaidoyer pour la promotion et le développement de la filière. Je vous assure de la disponibilité et de l'engagement de l'équipe DEFIA à accompagner la mise en œuvre de la convention de subside avec efficacité, efficience et rigueur. L'amélioration de la gouvernance de l'AIAB et le renforcement des relations entre les différents acteurs, la promotion de la filière ananas, le renforcement des actions de plaidoyer sont entre autres résultats attendus dans la mise en œuvre de cette convention. Créée en 2016, l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin entend saisir l'opportunité de cette convention pour organiser, développer la filière et mieux défendre les intérêts de ses membres. Ce 17 novembre, le Bénin abrite la première conférence internationale sur la protection sociale initiée par le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les moyens de lutte contre la pauvreté et la migration. Les précisions avec Ingrid Day et Narcisse Alossé. La problématique de la protection sociale est au centre de cette conférence internationale qu'abrite le Bénin, organisé par le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs du développement durable. Cette rencontre se veut un cadre de réflexion sur les stratégies de lutte contre la pauvreté et la migration. Et ceci à travers le lancement officiel des travaux de la plateforme euro-africaine sur la pauvreté et la migration. Cette conférence internationale est à la fois symbolique et nécessaire et s'inscrit dans la vision des dirigeants africains soucieux de soutenir les projets phares du continent. Les attentes de cette conférence internationale sont grandes et personne ne doit être du reste. ECOPAM a pour objectif de pouvoir contribuer à la consolidation des meilleurs systèmes de protection sociale dans les pays africains, pensant évidemment que ces protections sociales sont les moyens les plus sûrs pour pouvoir réduire durablement la pauvreté. Appuyé par plusieurs partenaires tels que le PNUD et la coopération allemande GIZ, cette première réunion du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs durables a mobilisé des participants venus du Bénin et d'ailleurs autour du thème « Renforcer la protection sociale pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et la migration irrégulière ». La pandémie Covid-19 nous a montré une fois de plus que les crises économiques, sanitaires et politiques affectent surtout les groupes les plus vulnérables. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons assurer une protection sociale qui protège la population contre la pauvreté et toute autre forme de vulnérabilité. Je voudrais me permettre de saluer le gouvernement béninois pour avoir autorisé et accompagné l'organisation de la présente réunion internationale. La présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance témoigne de l'engagement du Bénin sur le front de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Outre le thème principal retenu, bien d'autres thématiques vont meubler cette rencontre prévue pour 3 jours. Il s'agit entre autres de l'état d'avancement du système de protection sociale au Bénin et la présentation du système de protection sociale au Bénin, cas du projet Arche, lancé récemment par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. En abritant cette conférence, mon pays, le Bénin, à l'opportunité de partager ses riches expériences en matière de renforcement du capital humain, Arche, mais surtout aussi à pouvoir s'inspirer de celles des autres pays pour renforcer davantage son système de protection sociale. La cérémonie d'ouverture de ces assises a aussi connu la présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, venu en soutien à l'activité. Et nous donner l'occasion d'échanger sur ce sujet ô combien important. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et le Comité de stabilité financière
et d'assainissement du secteur de la microfinance lance la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. Cette initiative conjointe s'inscrit dans les directives du programme d'action du gouvernement qui vise à lutter contre la prolifération des structures illégales de microfinance. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances ce mardi. Les missions de veille et de sensibilisation pour lutter contre la prolifération des structures illégales de collecte de l'épargne et de placement de fonds se poursuivent au Bénin. Et malgré le contexte particulier de la COVID-19, les acteurs, à défaut des séances de sensibilisation de masse, organisent la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. C'est une initiative conjointe de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et le Comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. Les défis du secteur de la microfinance sont sans cesse croissants, notamment avec le développement des technologies de l'information et de la communication ces dernières années. En effet, le développement du e-commerce, de la finance digitale et de ses corollaires provoque des dérives qui appellent à une vigilance plus accrue, tant des acteurs que nous sommes que des populations, pour une stabilité financière durable. L'assainissement du secteur de la microfinance est une problématique qui préoccupe aussi bien le ministère de l'économie et des finances que celui des affaires sociales et de la microfinance. Cette quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance permettra aux acteurs de communiquer sur l'état des lieux, évaluer les efforts fournis dans cette lutte et faire aussi des projections. Ce sous-secteur, animé par les SFD, est confronté à une difficulté majeure, celle de l'existence sur le même marché des initiatives informelles exerçant l'activité de collecte de l'épargne et d'octroi de crédit. C'est ainsi que notre comité, depuis son installation en 2012, s'est donné comme mission, en appui à notre agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, de continuer à assainir progressivement le secteur de la microfinance. Je voudrais ici féliciter et saluer le leadership du ministre de l'économie et des finances qui, en collaboration avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lutte inlassablement pour l'assainissement du secteur. Plusieurs activités sont prévues au cours des 10 jours que va durer la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. Il s'agit entre autres de la sensibilisation des préfets, de la police républicaine et une conférence de presse avec les hommes des médias. Il est également prévu une tournée nationale de sensibilisation au cours de la deuxième semaine. Il est depuis peu très difficile d'emprunter la piste cyclable de l'échangeur de Godomène à la commune d'Abomey-Calavi. Les usagers souffrent à plein temps le martyr et ceci n'est pas sans répercussion sur leur santé. Vous allez le voir dans le reportage qui va suivre. Plus que des nids de poules, ce sont des trous qui entravent la bonne circulation et font prendre aux usagers de la route d'énormes risques. C'est un constat signé Teddy Goudalo qui est présenté ici par Ali Moumouni. C'est la croix et la bannière pour les usagers de cette piste cyclable de l'échangeur de Godomène dans la commune d'Abomey-Calavi. Il a fallu l'implantation de ce bois pour attirer l'attention des conducteurs sur le danger. Des trous de paille et d'autres empêchent à cet effet la libre circulation. Ça nous donne beaucoup de panne parce que la voie n'est pas bien l'état de ce que nous voulons faire. On passait, bon, par exemple, je vais charger même des bagages maintenant. Pour passer ici, maintenant, j'ai des soucis de passer. Vous voyez, bon, il y a tout clairement, on passe, ça fait comme ça, ça va le haut, ça va le bas, mais c'est pas bon. Le tronçon est impraticable et ne cesse de causer des dommages aux automobilistes. Parfois, ce sont les piétons, les conducteurs de taxi-moto et leurs clients qui en paient les frais. Il y a des accidents qui se passent ici, des accidents pas possibles. Ça a l'air banal, mais bon, ce que ça crie comme accident, c'est trop. Moi, j'ai eu le temps de vivre ça. Une fois, deux fois, il y a eu des accidents qui sont pas là, mais bon. On espère quand même que ça soit réglé. Nos clients en souffrent. Même nous, conducteurs, après une journée de travail, nous sentons des courbatures.
Cette piste cyclable a déjà connu maintes réparations et pourtant, les usagers ne sont pas au bout de leur peine. Les riverains ont également leur part de casse-tête et invitent les responsables en charge des travaux publics à agir. Voilà, fin du journal. Merci de nous avoir suivis et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Prochaine session de l'information, c'est à partir de 22h30. Et dès demain, retrouvez l'équipe d'Actu Matin, la matinale sur votre chaîne préférée quand il sonnera 7h. D'ici là, prenez soin de vous.